of trial. I feel so tired and so alone, but now there's a fire. Bonjour à tous, c'est Pascal de logicielpourroulette.com. Alors ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo. En fait, j'ai fait un sondage pour savoir ce que mes abonnés voulaient au niveau bot. Alors j'ai eu 400 et quelques réponses et quand le tri est fait, ben, on se rend compte que vous préférez les bots manuels, avec possibilité de leur adjoindre un module, pour certains, un module de lecture automatique. Donc je suis reparti sur des manubots, ce que j'appelle des manubots, donc des bots simples, avec une ou deux méthodes dedans, à prix en dessous de 50 euros déjà, et avec lesquels vous allez pouvoir jouer bah, sur n'importe quelle table, puisqu'ils sont manuels, avec possibilité de les automatiser, en leur adjoignant un module, comme je viens de dire. Donc je vais vous présenter le premier système. Alors système simple, hein, pas beaucoup d'options. Deux méthodes sur les transversales, sur les 6-1, avec possibilité de ne pas jouer tout de suite si vous voulez jouer un écart et un nombre de tours défini, avec les montants qui sont indiqués ici, en nombre de pièces, pas en valeur, hein. C'est-à-dire que si vous jouez ici 6 pièces, si c'est des pièces de 10 centimes, bah, vous jouez simplement 60 centimes. Je le précise parce que quelquefois on me demande à quoi ça correspond. Voilà. Alors là, il y a une petite aide sur les deux, hein. C'est la mise à faire sur chaque transversale en nombre de pièces de la valeur que vous décidez. Ce que je viens de dire, si c'est des 10 centimes, bah, ça fera 1,40€ par transversale. Si c'était 1 euro, bah ce serait 14 euros pardon, par transversale. Pour les 6-1, pareil, la même aide et la même chose. Alors ici, cadrage casino, c'est des options qui sont accessibles quand vous avez le module extérieur, qui va vous permettre de lire les numéros, qui va les injecter dans ce robot. Qui va vous permettre de jouer en automatique. À ce moment-là, on repérera les pièces. Il y a une petite doc en ligne aussi, avec un test. Et pareil pour le tapis, en fait, à repérer à ce moment-là. Puisque c'est ce logiciel-là qui va poser les pièces. Hein. L'autre module fait la lecture du numéro et lui fera la pose des pièces. Donc, quand vous pourrez jouer sur plusieurs casinos, il faudra repérer certaines positions. Voilà, donc de toute façon, il y a une vidéo explicative, les montantes intégrées, une vidéo de mise en main. Et là, je vous fais une petite démo roulette croupier. La fameuse VIG. Voilà, donc la VIG est ouverte. Donc sur ce manubot, nous avons trois afficheurs, quatre afficheurs. La mise cumulée qui va s'afficher ici avec le numéro que vous allez saisir ici. Alors les transversales à jouer vont être indiquées ici et ici par un système de couleurs. On a ici dans l'afficheur, on misera le nombre de pièces, il nous dira une pièce, deux pièces, trois pièces, etc. Le choix du jeu, transversal ou 6-1, avec ici le changement du libellé bien sûr. Ici, l'écart, comme je disais, si on veut jouer écart 0, bon, sur cette roulette, sur les croupiers en mode raid, comme ça, sur les croupiers, sur les transversales, je joue toujours à écart 0. Hein. Donc, je vais vous faire une démo. Alors, on a ici les montantes pour 10 tours à 10 centimes. On part pour un total de 368 pièces, c'est-à-dire 36 euros pour 10 tours. Donc on va le faire, ici pareil pour les 6-1.
Alors ici, le gain à atteindre, il n'est pas obligatoire de l'indiquer. Il va servir surtout quand vous allez jouer, si vous voulez automatiser le système, ça vous permet d'arrêter le système automatiquement quand le gain sera atteint ou la perte atteinte. On peut régler la valeur des pièces, là, elle est réglée à 20 centimes. Je vais dire qu'il y a des pièces de 10 centimes, simplement pour avoir un affichage correct en fait. En deux, c'est une pièce de 1 euro. Troisième pièce, c'est 2,50 €. Et quatrième pièce, c'est 5 €. Je valide. Et ici, en biscublé, on va donc avoir, au premier tour, vous allez voir, ça va être 0,40 puisque j'ai pris des pièces de 10 centimes. Alors après, je n'ai pas à calculer quoi que ce soit. Ici, s'il me dit qu'il faut miser 2 pièces, je ferai une répétition. S'il me dit 3 pièces, je rajouterai une pièce manuellement, surtout que sur cette table, on a largement le temps. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Donc là, je vais rentrer, admettons, les 3 derniers numéros pour gagner du temps. 31, 18, 0. 31. On a déjà un jeu à faire. Avec 40 centimes. Ah ben, je suis à écart 0. Avec 40 centimes. Donc, la transversale 4. Celle-ci, la transversale 10. Celle-ci, transversale 16. Et la transversale 22. Voilà, elles sont indiquées ici en couleur. Elles sont indiquées ici en numérique. Et ici, on sait qu'on doit poser une pièce. Ici, j'ai validé 10 tours. Enfin, j'ai réglé 10 tours. C'est-à-dire qu'après 10e tour, si je n'ai pas gagné, ici, il ne m'affichera plus rien. Puisque la partie sera perdue, forcément. Donc, vous allez voir, c'est très, très rapide. Très facile à utiliser, en fait. Gain au premier tour, le 24. Alors, ici, vous voyez, je clique sur mon 24 qui va s'afficher ici. Et mon gain est de 0,80 puisqu'on a mis 4 pièces à la base. Voilà, donc on va attendre le prochain jeu. Bon, je vais vous en faire 2-3 comme ça. Hein. C'est juste pour vous montrer le fonctionnement qui est vraiment simple. Ah, d'après les sondages, moins il y en a sous l'écran, mieux c'est. Moins de réglages on a, mieux c'est pour vous. Et c'est pas la peine d'avoir trop de méthodes, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Pas comme Macron, d'ailleurs, dernièrement. Moi, je vous ai entendu. Donc, deux méthodes, transversale 6-1. Donc, il y aura une série de ManuBot qui vont arriver au fur et à mesure. Celui-ci, c'est le ManuBot TS pour transversale 6-1. Donc, c'est ce système, l'avantage, si vous voulez automatiser dans le 5 sort. Si vous voulez automatiser ce système sur X table, il suffira d'avoir le module qui permet de. Autant pour moi. 10, 19, 25, 31. Ah bah, on est loin de prendre. Donc ce système-là, bah, vous pouvez le faire fonctionner sur cette roulette, sur les roulettes automatiques, sur X roulettes qu'on me demandera en fait. Il y aura un module à chaque fois. Le module sera louable sans location pour, je sais pas, 20 à 30 euros par mois, ou à la vente si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. Alors le 5 est rentré. Ici, il me dit toujours une pièce, donc je vais faire répète, répéter, voilà, je mets toujours une pièce. Il n'y a pas de calcul de montant à faire, on parle en pièces. Et en tour, pardon, on a le tour ici. Donc on a tout en fait sur la face avant. Alors pour les 6-1, c'est pareil, on a les mêmes couleur qui vous indique quel 6-1 jouer, en plus qui vous l'affiche ici.
Alors là, bien sûr, on joue sous les 11 cisains. On a les cisains naturels et les cisains croisés. Donc il y a une le 2 tombe. Ici il me dit 2 pièces. Je répète une fois. Alors, on ne peut pas doubler. Alors on en met une dessus. Une dessus. Une dessus. Une dessus. J'ai tellement l'habitude des roulettes automatiques. On a un bouton qui fait double répète. Là, on peut juste répéter. Donc le site va être entièrement modifié aussi, puisque là, mes dernières modifications, en fait, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je fais surtout ce qu'on me demande. Bon, il y a au deuxième tour. Qui fait qu'on a 1,62€ yen pour le moment. On a fait deux parties. On va refaire une petite. Alors, vous voyez, petite balance en fait. Enfin, petite balance. Presque 400€ quand même. Mais petite balance. Sur cette table, on a quand même des limites de table, hein, il faut quand même faire gaffe. Bien regarder les limites de la table avant. Mais sur les roulettes automatiques, par exemple, on a des limites qui sont quand même assez élevées. Alors, le 29, elle me dit de jouer la transversale 7, la transversale 13, la transversale 19. Et la 34 avec une pièce toujours. Ah, d'après ce que j'ai constaté quand même, les gens, vous aimez quand même bien avoir la main sur le système, ne pas toujours miser, donc le système manuel, effectivement, si vous m'avez demandé, c'est pas pour rien. Alors ceux qui veulent automatiser, il y a toujours les bottes automatiques, bien sûr. Sinon, il y a ces systèmes-là, avec il y aura le petit module à chaque fois pour telle roulette, telle table. Il suffira de le connecter et il sera fonctionnel. Le 22 est rentré. Je mets toujours une pièce, bien sûr. Je répète. Ah, le premier module est en cours. Donc il va y avoir beaucoup de développement des manubots avec beaucoup de modules qui vont pouvoir se greffer dessus. Et des outils pour les calculs de montante. On m'a demandé aussi les outils pour les calculs de montante. On m'a demandé je ne sais plus quoi. Ben, tout est noté quelque part. Donc je fais au fur et à mesure. Bon, on va attaquer le troisième tour. Le 1. On rentre là. Il nous dit 2 pièces. Donc je répète et je double. Alors sur ces tables-là, on a quand même 30 secondes. Sous les tables automatiques, on a une quinzaine de secondes, mais on peut répéter et doubler. Donc tant que c'est un nombre de pièces paires, on peut doubler. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Hein. Aucun réglage, aucun calcul à faire. Et vous avez la main sur le système. On vient au troisième tour. Le 7. Avec 2,42€ gain pour l'instant. On va partir sur les 6. Hein. Pardon. Je vous en fais une sous les 6. Hein. Si.
Le nombre de pièces à miser, pareil, il n'y a vraiment rien à faire. Si ce n'est à cliquer et rentrer les numéros, mais ça, c'est ce que vous m'avez demandé. Pas tous, hein, mais enfin, il y a quand même, je crois, c'est 70%. Donc ça fait pas mal. Sur 400 et quelques réponses, ça fait pas mal. Ça fait 290 poussières. Donc, je rentre le 8. Voilà, il me rentre donc le 6-1, 19-24. 19-24, le 6-1, 25-30. 19-24, 25-30. Ils sont repérés numériquement et visuellement ici. Pareil, une pièce par 6-1. Et je laisse sur 10 tours. Et qu'après 10 tours, il ne m'affichera plus rien. Donc si j'étais dans une montante, si je ne sais pas la faire de tête, je ne peux plus jouer. Si j'en regrette au dernier moment. Alors après, le nombre de tours va, comme d'habitude, dépendre de votre balance. Si vous avez 20 euros sous la balance, à ce moment-là, vous pouvez dire, bah, je fais un écart ici de 2 ou 3. Et il vous indiquera quand il faudra jouer de toute façon. C'est pareil. Hein. Après, c'est plus long. Alors les 6-1, c'est toujours plus long. Hein. Alors toujours une pièce. On fait répète. Oh, gain sur le 30. Vous voyez, gain au deuxième tour. On gagne 6 pièces en fait. Je vais vous en faire encore un sur les 6-1. C'est sûr que c'est plus long que l'automatique, hein, bien sûr. Il y a 1-6, c'est noté ici, et 16-21. Donc 1-6, 16-21. Toujours une pièce, bien sûr. On est au 14e spin de la partie. Ça va vite quand même manuellement. Regardez toujours les limites de table hein, sous les 6-1 parce que si vous regardez, vous devez faire sous les 6-1. Si vous devez mettre 47 pièces, si vous jouez à 1 euro par exemple, faut regarder si vous pouvez mettre 50 euros sous le 6-1. Hein. Voilà, le 30 encore. Deuxième tour, une pièce, on répète. 6-1, 1-6, 6-1, 16-21. Donc sur chaque bot, il y aura une petite vidéo de formation. Enfin, c'est tellement simple que c'est pas des vidéos d'une heure. Hein. Deux pièces. Troisième tour. Je n'ai pas le coup d'avance si j'ai pas obligé de mettre les pièces moi. Ah non, je les ai bien mises. Donc là on est sur le troisième tour. Juste à côté, je crois, ouais. Donc le 15. 3 pièces. Donc je répète. J'en ai donc 2. Et je mets ma troisième pièce.
le 14. 4 pièces. Je répète et je rajoute une pièce. Ce qui nous fait une mise de 8 pièces. Donc le 10. Donc le 10, 6 pièces. Donc j'en avais 4, 5, 6, 5, 6. Ce qui fait 1,22€ de mise. On est au sixième tour. Alors, je vous dis, les 6 1, c'est toujours plus long. Alors on peut toujours demander ici un petit écart. On rentre le numéro et il nous affiche seulement les couleurs, les 6 1 joués. Bah, quand vous avez passé l'écart, que le 6 1 n'est pas tombé. Quoi. Toujours sur le même principe. Un écart, c'est toujours des tours à vide, hein, des tours virtuels. Voilà, bien au sixième tour. Avec le 17. Donc voilà, on a fait 2 gains sur les transversales, 2 gains sur les 6-1. Bon, la démo est suffisante, je pense. On a fait 6 tours, hein. On a mis 10, mais je vous dis les 6-1. Vous voyez quand même un petit écart de 1 ou 2. Ça dépend de la roulette. Hein. Mais les transversales, par contre, écart 0, ça va très bien. Donc voilà, petit récapitulatif. Réglage de la valeur de la pièce, bah, pour avoir ici une valeur exacte. Ici, on pourrait afficher en pièces, donc on aurait 28 pièces. Autant l'afficher dans la valeur de la monnaie. On a mis 10 centimes, donc ça nous fait 2,80€. Ou 2,80€ si vous êtes ailleurs. Le gain à atteindre et la perte autorisée, maxi autorisée, c'est surtout dans le cadre où vous avez le module automatique qui vous permet bah, d'automatiser le système en fait. Sinon manuellement, aucun intérêt. Quand vous avez décidé, vous voyez votre balance, quand vous avez décidé que bah, vous en avez marre, vous avez assez gagné, bah, vous arrêtez. Ce que je vais faire d'ailleurs, puisque la démo de 25 minutes est suffisante largement pour représenter un petit outil comme ça. Voilà, donc j'arrête le système. J'ai toujours pareil l'affichage du gain, ici et ici. Voilà, donc ce produit va être en vente à 47€, avec le module à 20 ou 30€, je ne sais pas encore, si, pour ceux qui veulent le module. Donc il va y avoir toute une série de manubots avec une ou deux méthodes dedans, comme ça. Puisque suivant les roulettes, si c'est croupier ou automatique, même en automatique, toutes les méthodes ne fonctionnent pas dessus. Donc autant mettre des méthodes qui rapportent, sinon c'est pas la peine. Sinon, que dire d'autre ben voilà, donc vous allez avoir des manubots qui vont arriver régulièrement sur le site, que je vais remettre à jour là, peut-être bien dans la soirée. Et avec des modules et des outils que je vais rajouter aussi. On m'a demandé aussi un bot qui pour permettre de rentrer des séries de numéros pour les tester. Ce genre de choses, donc pareil, il y aura les systèmes qui sont en place au fur et à mesure, donc plein, je pense, d'outils qui vont se greffer, et plein de manubots. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, et je vous dis à tout de suite. Times of trial, I feel so tired and so alone, but now there's a fire.